Mehdi Arsalan, Mercer et poste responsable modélisation et outils. J'ai 33 ans et ça fait un peu plus d'un an et demi que j'occupe ce poste maintenant. Le courtier, c'est un intermédiaire entre, en l'occurrence, une entreprise qui veut faire assurer ses salariés, en tout cas pour nous, et un assureur. Il fournit aussi du conseil à l'entreprise sur la conception de son régime d'assurance et ou sur des études, par exemple d'absentéisme ou autres, qui aident l'entreprise à comprendre un risque qu'elle a à l'intérieur. Plus un hasard qu'une évidence, mais ça touche au milieu de l'assurance, donc pas si surprenant que ça. J'ai fait une licence de maths à Dauphine, ensuite je suis rentré à l'École nationale d'assurance en master, et ensuite j'ai passé un master d'actuariat au CNAM. Finalement, je suis arrivé chez Mercer, voilà. Pour moi, passionnant, si c'était ennuyeux, je resterais pas. Dynamique, variée et technique. Plusieurs casquettes. Je travaille sur la mise en œuvre d'outils au sein de Mercer. Donc, avec mon équipe, on automatise en fait un certain nombre de tâches. On fait aussi des études spécifiques pour des entreprises et on aide dans la conception de tout ce qui va être régime d'assurance en santé et en prévoyance pour les entreprises. Pratiquement tous nos projets sont des projets transverses. Donc en fait, on a des enjeux de communication tout le temps et on en a d'autant plus qu'on manipule des chiffres et que c'est pas forcément toujours évident pour tout le monde de comprendre ce que veulent dire les chiffres qu'on donne. Non, ça suffit pas d'avoir la bosse des maths. C'est aussi un petit peu de curiosité et de créativité. Pour moi, c'est un milieu que je trouve accessible parce que justement, il est diversifié. Il y a des portes d'entrée différentes. Ça peut être des portes d'entrée côté commerce, mais ça peut être des portes d'entrée côté technique. J'appelle pas ça, moi, un milieu élitiste en tant que tel. Les métiers de l'assurance en général, c'est des métiers un petit peu méconnus, alors qu'en fait, c'est des métiers très divers. On a besoin de profils assez différents, on fait des choses différentes. Ça peut être de la programmation, ça peut être du pilotage commercial. C'est finalement un secteur très dynamique qui permet de voir à la fois du technique et des choses très commerciales.